vous savez, c'est une série qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle nous avons un héros récurrent qui s'appelle Tristan Marcas, qui est un ancien trafiquant d'art et qui a été récupéré alternativement, soit par les services secrets anglais ou allemands. C'est une sorte d'agent double, comme il en a existé beaucoup à cette époque. Et en fait, les enquêtes que mène ce personnage nous permettent de recréer en fait une sorte d'histoire secrète de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de mettre en évidence quelque chose qui était assez peu connu jusqu'à une série de recherches faites surtout par des universitaires américains, c'était la fascination de certains nazis, Himmler en particulier, pour l'ésotérisme. Et donc la quête d'un certain nombre de reliques, de pouvoirs, qui a été jusqu'à la fin de la guerre une obsession, je dirais, allemande. Et notre personnage, dans 669, va partir dans une quête de ce type, et dans lequel il va croiser des choses qui peuvent paraître assez curieuses aujourd'hui, mais qui est l'intérêt des nazis pour ces questions, et en particulier, à cette époque-là, l'intérêt des nazis pour la sorcellerie. Il se trouve que Himmler avait eu dans l'idée de récupérer, ce qu'il a fait d'ailleurs, tous les traités qu'il pouvait de sorcellerie, pour prouver en fait que les sorcières avaient été victimes d'un génocide, et l'opposer en fait au génocide des Juifs. Quelque chose qui apparaît aujourd'hui un peu dingue, il faut le reconnaître, mais qui à l'époque leur paraissait très, très compétent. Et donc notre personnage traverse comme ça les services et les certains niveaux des nazis qui se fascinent totalement pour ces questions. Et ça permet en fait d'avoir un autre axe, qui n'est pas le seul bien sûr, mais sur la manière dont le régime nazi concevait en fait le pouvoir et l'exercice du pouvoir. Bah écoutez, là ça se passe en mars 1944, la Seconde Guerre mondiale s'éteint en mai 1945, et il se trouve qu'on a pu travailler sur des archives, en particulier des archives qui ont été récupérées par les Russes. Nous sommes allés tourner un documentaire sur ces questions aux archives de l'Armée rouge à Moscou. À l'époque on pouvait le faire, maintenant c'est un petit peu plus difficile. Et il reste encore beaucoup de grains à moudre, parce qu'effectivement, ils ont continué à se passionner pour ces questions, jusque quasiment dans les derniers mois, si ce n'est les dernières semaines du Reich. Est-ce qu'on tente toujours trouver quelque chose qui leur assurerait un pouvoir essentiel? Et dans le cas de 669, ça se passe en grande partie à Paris, et ça nous permet aussi de montrer ce pari de la collaboration, dont finalement on en parle beaucoup mais on le connaît peu, et en particulier tout ce qui est la collaboration intellectuelle et artistique, que ce soit écrivain, cinéaste et autres, une période de la France qui n'est pas forcément des plus reluisante et quelque peu obscure. Alors déjà en littérature, les duos sont assez rares, on les compte, nous écrivons à quatre mains, mais on les compte un peu sur les doigts d'une seule main en fait dans l'histoire de la littérature. Donc chaque duo a sa manière de faire. Pour ce qui nous concerne, nous, tout est partagé réellement en deux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un très gros travail de recherche, j'indiquais le fait de s'être rendu aux archives de l'Armée rouge à Moscou. Et puis ensuite, quand ce travail de recherche est fait, on bâtit l'intrigue à partir de ce qu'on a trouvé, en grande partie, c'est vrai, dans les archives. Et puis ensuite, on fait un plan. Et comme il s'agit de thrillers, il est évident que le plan nous prend, ça surprend toujours nos lecteurs, mais nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Un thriller, c'est une mécanique, moi je la compare à une horloge, et il y a un réel besoin que tous les rouages de l'horloge soient bien imbriqués pour produire un effet, que ce soit les cliffhangers des fins de chapitre ou le maintien de la tension pendant la lecture des 400-450 pages que font nos livres. Une fois que le plan est écrit, nous avons deux lignes narratives. Donc Eric en prend une, moi j'en prends une autre. Sur le dernier, Eric a pris la ligne narrative sur le milieu collaborationniste parisien, moi j'ai pris la ligne narrative qui se passait en Allemagne. Et à partir de là, on écrit 4-5 chapitres, et ensuite on croise. Parce qu'au premier abord, on se dit finalement quand ils sont deux, ils n'ont que la moitié d'un bouquin à écrire. Le problème c'est qu'on n'écrit pas pareil. Et donc dans un thriller, il ne faut absolument pas que les gens perçoivent la différence d'écriture. Donc chacun de nous réécrit le travail de l'autre. Et juste pour l'anecdote, parce que c'est un tantinet amusant, on fait lire ensuite à notre entourage, et quand l'entourage nous jure que le chapitre qu'on a écrit, ben c'est bien le nôtre, et que je sais que c'est celui d'Éric, je sais que le bouquin est terminé.